l'extraction minière et la métallurgie contribuent à hauteur de 10% au changement climatique. Les chiffres de l'OCDE montrent que même en augmentant considérablement l'efficience de nos technologies, on va quand même vers encore des impacts qui vont doubler ou quadrupler voilà, d'ici à 2060. Donc, c'est quand même inquiétant, parce que ça veut dire que si en plus on ne fait pas le saut technologique attendu par l'OCDE, ouais, c'est plus que ça. Plutôt... Quand on a moins de métal dans la roche, bah, ça veut dire que tous les impacts augmentent, parce que pour aller chercher la même quantité de métal, il va falloir sortir un volume de roche plus important, donc utiliser plus d'énergie, utiliser plus d'eau, avoir un volume de déchets plus important. Et ce volume de déchets qui va être à l'origine d'impact sur l'artificialisation des sols, sur la toxicité de l'environnement, et donc tout augmente. Je ne dis pas que la transition énergétique ne va pas augmenter les impacts des petits métaux. On est, je parle vraiment de la situation actuelle. Donc à la situation actuelle, si on voulait diminuer les impacts drastiquement de l'exploitation, on se concentrerait sur les grands métaux. Et là, il y a plein de questions à se poser, mais qui ne sont pas les questions qu'on se pose actuellement, c'est-à-dire... Aujourd'hui, nous allons parler des ressources minières et plus précisément, comment nous allons pouvoir faire avec moins. L'extraction des ressources minières est aussi responsable du franchissement de plusieurs limites planétaires et du coup, on va se poser la question, est-il possible de prévoir la fin d'exploitation minière tout en assurant la résilience de nos économies? Pour nous éclairer sur ces questions, j'ai le plaisir de discuter avec Judith Pigneur. Judith est docteure en géologie. Sa thèse a porté sur la mise au point d'une méthode intégrée d'analyse des impacts des filières des matières premières minérales. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tous ces mots-ci. Elle est à présent chargée de projets matériaux et sobriété au sein de l'association Négawatt et développe une feuille de route sur les trajectoires de consommation des minerais métalliques pour les rendre plus sobres. Bonjour Judith et bienvenue au podcast. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci de passer. C'est un sujet évidemment que tout le monde est curieux parce qu'on parle souvent de pénurie, on parle souvent de problèmes environnementaux liés au système d'extraction. Mais avant qu'on se lance dans tout ça, peut-être ton parcours à toi, qu'est-ce qui t'a poussé de devenir géologue? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette thématique plus large? Ouais, moi, je suis partie en école de géologie parce que j'avais envie d'être ingénieure de l'environnement et qu'il y avait deux voies pour faire ça, plutôt bio ou plutôt géologie. Moi, j'aimais bien la géologie, j'aimais bien la montagne, voilà. Donc, je suis plutôt partie dans cette voie-là, sans m'être réellement posé la question ingénieur géologue, on travaille dans quel domaine? Et ouais, du coup, en rentrant dans l'école, que finalement, la majorité des débouchés, c'était l'extraction pétrolière ou minière, voilà. Et ça, je m'y attendais pas forcément en rentrant. Ouais, du coup, peut-être qu'il y avait un petit moment de crise ou de se dire, OK, qu'est-ce que je fais après? Mais du coup, ça, c'est les études, mais l'étude géologique, enfin, qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie la géologie? On étudie les cailloux, on étudie les métaux, qu'est-ce qu'on étudie? Ah bah, on peut étudier plein de... Enfin, la géologie, c'est assez vaste, en fait, finalement. Donc, on étudie effectivement la formation des roches, les grandes familles de roches, les roches sédimentaires, les roches plutoniques, les roches volcaniques, et ce qui peut donner des indices sur... l'histoire de la Terre, donc comment s'est formée la Terre, ce qui peut expliquer le mouvement des plaques, expliquer les paysages. Et aussi, on peut étudier des anomalies géologiques que sont les gisements, donc, okay, comme les gisements métalliques ou de minerais non métalliques, ou la formation des gisements pétroliers. Et en fait, ça, c'est plutôt vraiment des particularités dans le système Terre, mais bon, qui ont évidemment un intérêt économique. C'est pour ça qu'on les étudie en détail, quoi. Ouais. Du coup, ces anomalies qui sont devenues, au fait, vraiment la colonne vertébrale de nos sociétés. Mais souvent, quand on parle des métaux, tu as parlé de matériaux ou de minerais non métalliques. Il y a le minerai métallique, Il y a souvent, on entend parler de mines, de carrières. Est-ce que tu peux décortiquer un tout petit peu dans le système extractif? Donc, on vient puiser et puis on a des minerais. Il y a les minerais métalliques, non métalliques. Tu peux un peu clarifier tous ces aspects-là? Oui. Alors, en France, on a une distinction mine et carrière qui n'existe pas forcément ailleurs. Et en fait, il y a une distinction principalement juridique. Parce que donc, les mines, c'est pour... exploiter une substance d'intérêt, donc après on va distinguer les différentes substances d'intérêt, mais donc voilà, on va chercher quelque chose en particulier dans la roche, donc sous la couche de sol, voilà, on va aller chercher ça, et ça on peut le faire de manière, de pas mal de manières différentes, mais on va dire les deux manières principales, c'est soit en mine souterraine, donc ça c'est souvent la mine qu'on a à l'esprit en France, donc la mine où on creuse sous la terre, où il y a un tunnel, voilà, un peu la mine des 7 nains, quoi. Ouais, voilà. Ça. Donc ça c'est la mine souterraine, ou sinon il y a des mines à ciel ouvert qui constituent en fait aujourd'hui au moins, alors c'est vraiment difficile d'avoir des chiffres, mais au moins 50% des mines dans le monde, et la plupart des grosses mines industrielles, c'est des mines à ciel ouvert, okay. Voilà, qui sont en fait un immense trou dans le sol. Et cette forme-là, ça peut aussi être ce qu'on appelle des carrières en France. Donc, et les carrières, en fait... En France, ça concerne tous les mines, pardon, les exploitations qui sont considérées comme non stratégiques. En fait, on a une liste de métaux qu'on a classés comme stratégiques, et ça, ce sont les mines en France. Et tout ce qui n'est pas stratégique, ça va être des carrières. Donc très souvent, ça va être des minéraux utilisés dans le bâtiment ou la construction, ça peut être... des gravats, ça peut être des carriers de granit pour faire des beaux blocs de granit. Voilà, ça va plutôt recouper ce genre de substance-là. Mais voilà. Donc là, il y a une petite superposition sur le vocabulaire entre ce qui nous intéresse et la façon dont on l'exploite. Et du coup, ça donne les carrières. Et ensuite, pour distinguer les différents types de minerais, il y a... une grosse famille qui est les minerais métalliques, donc on va les exploiter pour un élément ou plusieurs éléments en particulier. Donc par exemple, on peut avoir une mine de cuivre, mais dans laquelle on va aussi aller chercher de l'or. Voilà, on sait déjà en amont qu'on va faire les deux, ou c'est on est allé chercher du cuivre et il y a de l'or aussi, et tiens, on prend tout ce qu'il y a. Alors on le sait en amont parce qu'on a fait de l'exploration. Après, on peut avoir des surprises, et surtout une exploitation, ça peut durer très longtemps. Donc on fait un plan d'exploitation au départ, et si par exemple la valeur d'un de ces métaux change au cours du temps, parce qu'il y a 20 ans, en fait, tel métal ne valait rien, et donc du coup, on ne voyait pas l'intérêt d'aller le chercher en même temps, et en fait, tout d'un coup, on se dit, bah, ça peut valoir le coup. Donc ça peut changer au cours du temps, mais normalement, dans le plan d'exploitation, on valorise déjà un certain nombre de coproduits ou sous-produits. Voilà, donc ça, c'est pour les minerais métalliques, et sinon, il y a ce qu'on appelle les minerais non métalliques qui peuvent recouper encore plusieurs sous catégories. Donc ça peut être par exemple, comme je le disais, des minerais utilisés dans la construction, donc, par exemple, et des minéraux industriels. Donc les minéraux industriels, ça va être... alors là, j'aurais dû faire la distinction, mais en fait, donc, une roche, c'est composé de petites subdivisions qu'on appelle des minéraux, et dans les minéraux, il y a plusieurs éléments. C'est une structure cristalline, une maille cristalline dans laquelle il y a plusieurs éléments. Donc on peut soit aller chercher l'élément, soit la brique un peu plus grosse, c'est le minéral, et le minéral peut être intéressant en soi. Donc un exemple de ça, par exemple, ça va être le mica. Le mica, c'est les petites paillettes qu'on voit sur la plage dorée qui brille. Donc ça, c'est un minéral donc phyllosilicate pour les termes techniques. Donc ça veut dire qu'il est en couche feuilletée. Et ce minéral est utilisé, par exemple, dans l'industrie électronique, comme isolant autour des batteries. Et là, c'est vraiment le minéral entier qui nous intéresse pour ses propriétés isolantes. Et donc, il ne faut pas le casser, il faut justement l'avoir entier quand on essaie de l'exploiter. Donc c'est plutôt une exploitation assez délicate, et en fait c'est fait de manière plutôt très artisanale, à la main, en Inde, parce que le coût du travail fait que c'est très peu dans des pays riches. Voilà, bon là je rentre sur le détail, mais, mais voilà, c'est un peu ces grands types qu'on a, c'est minerais métalliques, minerais non métalliques, avec comme grand secteur les minerais pour la construction et les minéraux industriels. Et du coup, bon, c'est un autre cas particulier, tout ce qui est combustible fossile et tout ça, c'est quoi? C'est un minerai? C'est encore autre chose ou c'est quoi? Oui, j'étais en train de me dire que j'avais oublié les minerais énergétiques, parce que moi, je travaille très peu dessus. Ouais, mais okay. Du coup, donc voilà, moi, tout ce que j'ai dépeint, c'est plutôt ce qui est non énergétique. Et effectivement, après, il y a les minerais qu'on va aller chercher pour l'énergie, donc les combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, donc ça, c'est une exploitation très particulière, puisqu'on va pomper, puisque c'est liquide, hein, donc ça ne s'exploite pas comme la mine. Moi, je connais mieux la mine que le pétrole. Voilà. Et on peut aussi classer dans les minerais énergétiques, évidemment, l'uranium, ce qui nous intéresse particulièrement en France. Ouais. Voilà. Et du coup, ok, très bien. Donc là, on a une idée un peu des différents minerais, de comment ceux-ci sont plus ou moins exploités, ou en tout cas extraits. Mais évidemment, enfin, on a toujours extrait des matériaux. Enfin, depuis l'Égypte ou même avant, on a toujours extrait des minerais. Mais il y a toujours eu des coûts associés à cette extraction, des coûts sociaux, sociétaux, des coûts environnementaux. Tu as dit tout à l'heure que, par exemple, quand on cherche du cuivre, il y a de l'or qui vient avec de temps en temps. Donc, il y a certains procédés qui doivent séparer également les matériaux, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un peu les différents enjeux qui existent dans l'extraction, qui sont associés inévitablement aujourd'hui? Oui, donc pour ça, je vais revenir effectivement un peu en arrière, parce que je n'avais pas fait toutes les étapes. Donc, qu'on soit dans une mine souterraine ou dans une mine à ciel ouvert, on va être très très schématique, mais ce qu'on fait, c'est briser la roche. Donc, souvent, c'est des explosifs. Hein, donc on met des explosifs, on fracture la roche. Une fois qu'on l'a fracturée, on la charge. Quand elle est mise à ciel ouvert, sur des dumpers, c'est des espèces de camions vraiment gigantesques. Et ensuite, on va charger cette roche, on va la broyer. On la charge sur le camion, tu veux dire? Oui, voilà, ça, on la charge sur le camion voilà, ou dans des wagonnets. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on la charge et on l'amène dans une première unité de procédé qui est ce qu'on appelle le traitement minéralurgique. Et donc là, c'est là où on broie. On va séparer les minéraux dont je parlais tout à l'heure. On peut déjà, à cette étape, avoir une première phase de séparation qui peut être gravitaire, magnétique, je ne rentre pas dans les détails, mais on sépare, on a quelque chose d'un petit peu plus concentré, qu'on appelle d'ailleurs le concentré minier. Donc ça, c'est schématique sur... Voilà, la plupart des mines du monde fonctionnent comme ça. Et une fois qu'on a le concentré, on va passer à l'étape métallurgique. Et donc là, on a deux grandes voies, là encore avec plein de possibilités, hein. Mais dans les deux grandes voies, c'est la pyrométallurgie, donc on fond. Ça existe depuis très longtemps, ou l'hydrométallurgie, qui est de grandes cuves avec de l'eau et des produits chimiques qui vont viser à aller extraire un élément en particulier. Et on va subir plusieurs étapes. Et à chacune de ces étapes, on utilise de l'énergie, évidemment, de l'eau, en particulier dans l'hydrométallurgie, et à chacune de ces étapes, puisqu'on essaye de concentrer. Donc ça veut dire qu'on va avoir d'une part un produit qui se concentre vers ce qui nous intéresse, et d'autre part, tous les effluents de sortie, donc des déchets qui se produisent à chaque étape. En mine, on distingue deux grands types de déchets. Les stériles miniers, qui sont vraiment les premières étapes, c'est-à-dire à la fois l'extraction minière et la minéralurgie, où, du coup, qui vont être de la taille de gros cailloux ou de gravats. Voilà, donc on est plutôt sur une granumétrie importante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stériles. Et ça, il se passe quoi? On les rejette dans des autres trous qu'on a déjà fait, ou qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? Voilà, donc j'y arrivais justement. Non, pas de problème. La technique de stockage majoritaire, en fait, de ces déchets, c'est ce qu'on appelle des versastériles. Donc en France, on a l'image des terrils dans le nord de la France sous forme de collines. Donc en fait, ce sont effectivement des collines artificielles, donc on les met en tas. Des tas qui sont normalement pensés pour ne pas trop s'éroder, on peut mettre des géotextiles par-dessus, on peut mettre de l'herbe, on peut essayer de faire en sorte de contenir un peu la pollution, mais globalement, c'est ça, c'est des gros tas de stériles, voilà, les versas stériles. Et Ensuite, les déchets de la métallurgie, ce qu'on appelle les résidus, cette fois-ci, ils sont plus fins. Donc plus fins, ça veut dire qu'ils ont encore plus tendance à se disperser, donc ça, ça peut être un problème. Et souvent, ils comportent plus d'éléments toxiques qui sont un peu plus problématiques que les stérimiers. Voilà. Encore une fois, je fais des généralités pour tirer... voilà, pour synthétiser. Mais voilà, les résidus donc, sont plus fins, souvent plus dangereux. Et cette fois-ci, la méthode la plus classique pour les contenir, c'est de faire des lacs artificiels qu'on appelle des parcs à résidus. C'est-à-dire qu'on prend une vallée, on met une digue devant, on met les résidus dedans et on les met sous eau. Les mettre sous eau, ça a notamment comme utilité d'éviter en fait, qu'ils continuent à se disperser. Parce qu'ils sont plus, enfin voilà, ils peuvent plus être dispersés par le vent, notamment. Et donc voilà, on les contient comme ça dans ce lac artificiel. Et donc avec tout ce que j'ai dit, on peut commencer à entrevoir quels sont les impacts de l'extraction. Donc les deux plus gros impacts que nous donne le groupement international d'experts sur les ressources, qui est un organe des Nations Unies. Ils nous disent que les deux plus gros impacts, c'est le changement climatique, parce qu'on utilise de l'énergie à chacune de ces étapes, et la plupart du temps, c'est des énergies fossiles, hein, faut pas se le cacher. Et donc, on arrive pour les 10 métaux qui constituent la plupart des impacts dans le monde, on arrive à environ une contribution à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Donc, l'extraction minière et la métallurgie contribuent à hauteur de 10% au changement climatique. Et le deuxième gros... Et je voulais dire, donc, qui contribue au changement climatique et donc qui constitue, comme on le sait, une des limites planétaires qui est déjà franchie. Et pour la deuxième, le deuxième gros impact, c'est la création de matières particulières. Donc parce que comme on broie, alors on dynamite, on broie, on transporte, ensuite quand on fait de la pyrométallurgie, on a aussi des cheminées qui font des fumées très souvent, donc en fonction de l'endroit on a plus ou moins de filtres, voilà, mais en tout cas on est là aussi environ à hauteur de 10% de la création de matières particulières dans le monde et aussi faite par les métaux. Donc en plus, là, je ne parle pas de toute l'extraction, je parle juste de l'extraction des métaux, donc c'est une petite partie de l'extraction. Et le groupement international des experts sur les ressources nous dit que ces impacts-là, les chiffres que je vous donne datent de 2011, ont doublé entre 2000 et 2015. Okay. Donc toujours dans les impacts environnementaux macro, l'OCDE dit que d'ici à 2060, on va encore doubler, voire quadrupler les impacts sur toutes les filières. Ce qui est intéressant, c'est que l'OCDE... À volume constant d'extraction ou... Non, alors, j'allais dire les deux causes principales. Donc, évidemment, il y a l'augmentation de la consommation dedans. Et il y a aussi l'augmentation des impacts en relatif. Et ces impacts augmentent en relatif à cause de la baisse des teneurs. Peut-être on reviendra dessus un peu après, mais juste pour finir, ce que je trouvais très intéressant sur l'OCDE, c'est qu'ils font des hypothèses qui sont plutôt optimistes sur l'augmentation des technologies. Parce qu'on entend beaucoup, oui, mais si on fait une mine verte, si on fait une mine durable, si on prend des bonnes technologies. Et là, les chiffres de l'OCDE montrent que même en augmentant considérablement l'efficience de nos technologies, on va quand même vers encore des impacts qui vont doubler ou quadrupler voilà, d'ici à 2060. Donc, c'est quand même inquiétant, parce que ça veut dire que si, en plus, on ne fait pas le saut technologique attendu par l'OCDE, c'est plus que ça. C'est plutôt un x6, x8, etc. C'est ça. Et ce qu'on voit aussi sur l'impact changement climatique, c'est une autre étude là, de Ouattari et ses collaborateurs montre que... si on prend, pareil, toutes les meilleures technologies disponibles, lui, c'est particulièrement sur l'acier qu'il a regardé et sur les autres grands métaux industriels type cuivre, aluminium, zinc. Et il regarde, si on prend les meilleures technologies disponibles et qu'on continue sur ces courbes de croissance, Est-ce que le fait de faire une production plus efficiente va suffire? Et il montre que non, en fait, on ne peut pas tenir les accords climatiques. On ne peut pas rester sous 2 degrés si on ne diminue pas en fait en volume la production mondiale. L'augmentation de l'efficience technologique ne suffira pas en fait à rester dans les clous. Donc ça, c'était juste pour les deux plus grands impacts qui sont le changement climatique et la production de matières particulières. Et ensuite, là, on arrive sur toute une panel d'impacts qui, pour moi, sont en fait les plus gros, mais sont aussi très difficiles à mesurer. Voilà, on peut quand même le dire, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire, de méta-études suffisamment poussées pour qu'on ait vraiment l'impact agrégé, à la fois sur la toxicité, sur le changement d'usage des sols, sur l'impact sur la biodiversité. Et parce que, pour moi, l'impact clé, pour avoir travaillé quelques années sur les impacts de l'industrie minière, c'est vraiment les déchets. Parce que les déchets voilà, prennent une part importante du foncier, donc ça s'étale beaucoup, le stockage des déchets. Sont là pour l'éternité, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement de meilleures solutions que de faire ça. On peut à la limite un peu dépolluer avant de stocker, mais on n'arrivera jamais à enlever tous les polluants. Et donc du coup, ça reste là. Ça a un impact toxique sur l'humain, mais aussi sur les eaux, sur l'air et donc sur la biodiversité. Voilà, donc ça c'est un impact clé de l'industrie minière qui va rester là en fait, quoi qu'il arrive, et va même augmenter, parce que du coup, on parlait tout à l'heure du fait que pourquoi les impacts environnementaux augmentent selon l'OCDE d'ici à 2060, parce que les teneurs diminuent. Donc la teneur, c'est quoi? C'est la concentration du métal que l'on recherche dans la roche. Et donc, toutes les étapes qu'on a décrites, en fait, quand on a moins de métal dans la roche, bah, ça veut dire que tous les impacts augmentent, parce que pour aller chercher la même quantité de métal, il va falloir sortir un volume de roche plus important, donc utiliser plus d'énergie, utiliser plus d'eau, avoir un volume de déchets plus important. Et ce volume de déchets qui va être à l'origine d'impact sur l'artificialisation des sols, sur la toxicité de l'environnement, et donc tout augmente. Voilà. Et de manière ça, non linéaire, j'imagine. Enfin, c'est pas... Alors, c'est pas linéaire, ouais. Et ça dépend aussi, effectivement, des substances. Et donc, on a des substances où on va pouvoir aussi avoir ponctuellement des améliorations. Ah, tout d'un coup, on retrouve un gisement très concentré, ça peut arriver. Mais globalement, malheureusement, la direction va plutôt dans le mauvais sens. Hein, ça va plutôt vers une diminution de la concentration. Et on a aussi des effets non linéaires parce qu'il n'y a pas que la concentration qui va compter dans le besoin énergétique, le besoin en intrants. Notamment, un bon exemple de ça, c'est le nickel. Donc le nickel, on était massivement dans le monde pour l'instant en train d'utiliser les sulfures et on est en train de passer, donc qui sont un type d'exploitation tel que je l'ai décrit. Donc on fait exploser la roche, on la charge, on fait de la minéralurgie puis de la métallurgie. Et là, on va vers des latérites. Donc les latérites, c'est un peu particulier parce que finalement, ce n'est pas la roche, c'est le sol qu'il y a sur la roche. Donc c'est un sol qu'on trouve sous des latitudes tropicales. Donc c'est un sol très épais qui fait 15-20 mètres d'épaisseur et qui a déjà, en fait, c'est comme s'il avait pré-attaqué la roche. En fait, c'est la végétation très active qui est à cet endroit-là va faire une première étape d'oxydation de la roche. Et on va avoir ce sol très, très épais et très riche en nickel, qui est très rouge. On le voit sur les photos des zones tropicales, c'est très rouge. Donc, il y a, par exemple, ce type de sol en Indonésie. Et du coup, on va aller... là, dans les prochaines années, l'exploitation du nickel, ça va être massivement ces zones-là. Ce qui pose pas mal de problèmes. Déjà, ça demande beaucoup plus d'énergie que les sulfures à exploiter. Alors, c'est un peu étonnant parce que les sulfures, c'est la pyrométallurgie et les latérites, c'est l'hydrométallurgie. Et nous, à l'école, on apprend que l'hydrométallurgie, c'est censé être mieux et plus efficient. Mais là, en l'occurrence, le type de métallurgie qui est utilisé est très, très énergivore. Donc, Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'est très extensif, parce que comme on imagine, en fait, c'est pas un gisement de forme bon, ronde, de toute façon, ça n'existe jamais, mais on va dire assez concentré de forme ronde. C'est vraiment un gisement, bah, comme c'est le sol, très étendu. En fait, c'est le sol sous la forêt. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut déforester pour y aller, et qu'en plus, c'est très extensif. Donc il faut déforester sur des grandes surface. Donc on a un gros problème de déforestation. Donc ça fait deux impacts climatiques relativement majeurs. Bon, il se trouve que là, et comme souvent dans l'exploitation minière, comme je l'ai dit, ça change selon les gisements le type de toxicité qu'on a, mais en l'occurrence, là, la métallurgie produit un élément toxique qui est assez connu, qui est le chrome 6. C'est le scandale Erin Brockovich, pour ceux qui ont vu le film. Voilà. Donc le chrome hexavalent. Et là, il commence déjà à avoir des émissions de chrome hexavalent des premières usines qui ont été fabriquées à la hâte, plutôt par des industriels chinois en Indonésie. Donc voilà. Donc là... C'est un exemple d'augmentation des impacts du fait de passer à un gisement de moins bonne qualité qui est non linéaire, parce que c'est pas juste la baisse de la concentration, c'est aussi que c'est un gisement différent et qui implique beaucoup plus d'impacts environnementaux. Et donc voilà, bon, j'ai pas pris le nickel au hasard comme exemple, parce que c'est le nickel, on va en avoir beaucoup besoin pour les batteries des véhicules électriques notamment. Et puis, on en a besoin pour les aciers inoxydables. Donc, on n'est pas prêt d'en utiliser moins pour l'instant. Ouais. On a parlé donc plutôt de l'amont et de l'aval des déchets, mais aussi de toutes les pressions environnementales. On peut aussi imaginer les pressions qui sont sociétales. Donc, j'imagine que tu as parlé de toxicité. Donc, les personnes qui travaillent dans les mines peuvent être sujettes à... j'imagine à des cancers ou autres, je ne sais pas exactement, hein, j'invente ici, mais et d'un autre côté, également, c'est des métiers qui sont quand même très, très compliqués, et que quand on a parlé de non-linéarité, j'imagine que les conditions de travail peuvent également jouer, on ferme une mine ou on ne veut plus travailler dans une mine ou quelque chose comme ça. Oui, alors, c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé des conditions de sécurité dans les mines, ce qui est un gros problème. Sur ça, on peut dire qu'effectivement, quand j'ai dit qu'il y avait des éléments toxiques, alors j'ai oublié de dire une chose assez importante peut-être pour bien comprendre, c'est que très souvent la toxicité des déchets miniers de la mine, elle n'est pas due à l'ajout d'intrants chimiques, elle est due à la présence naturelle de ces éléments dans la roche. Et alors on peut se demander pourquoi c'est différent de la situation avant la mine, et c'est justement parce qu'on broie. Et donc, comme on a une roche qui, avant, emprisonnait, on va dire, un peu naturellement la toxicité dans la maille cristalline de la roche, en fait, c'était là, mais ça ne bougeait pas beaucoup. Alors qu'une fois qu'on a broyé tout ça, on augmente la surface spécifique de réaction avec l'eau, avec l'air, avec tout. Et donc, c'est pour ça que les éléments toxiques deviennent de la pollution, parce qu'ils sont capables de disperser et de migrer. Et effectivement... Les premières victimes de ça, c'est effectivement les mineurs eux-mêmes qui peuvent respirer alors, pendant le broyage, pendant éventuellement le transport, dans les usines métallurgiques, s'il n'y a pas de port de masque et si les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Mais souvent, les mineurs ont même quand même encore de plus gros problèmes, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la toxicité des éléments qui a un problème, plus que le fait que ce soit des poussières. Donc on a une maladie qui est très répandue dans le monde, et notamment dans les domaines miniers, c'est la pneumoconiose, et ça c'est juste le fait de respirer des poussières abrasives en permanence qui va abîmer les poumons et qui va faire vraiment la maladie du mineur, qui fait que voilà, qu'il y a des gros problèmes respiratoires assez vite. Donc ça existe. Il y a évidemment le problème d'effondrement des galeries, les accidents de glissement de terrain dans les mines à ciel ouvert. Donc c'est un métier qui est plutôt dangereux. Après, autant je suis un peu sceptique des progrès sur le plan environnemental de l'industrie minière, parce que, en fait, quand bien même on a des nouvelles technologies, elles sont compensées par ce que je disais, par l'augmentation des déchets et du besoin énergétique et de l'eau. En fait, on augmente tellement la consommation et on baisse tellement de teneur que je pense pas qu'à un moment le progrès technologique sera assez rapide pour compenser ça. Ouais. Voilà, ça je suis très pessimiste là-dessus. Par contre, sur les progrès de sécurité dans les mines industrielles, dans les pays riches ou en développement, ça a progressé. Donc on est capable de mieux faire. Il y a beaucoup moins de morts qu'avant dans les mines, il y a beaucoup moins de blessés. Cependant, parce qu'il y a un cependant, il y a une part non négligeable de l'extraction minière qui est faite dans des pays où le droit du travail n'est pas respecté, où le droit syndical n'est pas respecté et où on a quand même beaucoup d'accidents, et notamment des accidents qui sont plutôt cachés. Mmh. Et encore un mais, enfin encore un cependant, c'est qu'on a aussi une énorme part de la production minière qui est tout simplement illégale, donc sur lequel personne n'a de regard, et du coup, là où il y a une accidentologie très importante. Donc selon les filières, on dit entre 10 à 40%. Ah ouais. Sur les terres rares, par exemple, sur certaines années, on pense que 40% de la production mondiale a été faite de manière illégale. Donc là, pour assurer des bonnes conditions de travail et de sécurité, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, c'est vrai que les deuxièmes victimes du coup, de la mine, c'est les habitants locaux. Déjà, il y a une première phase qui est quand la mine s'installe, en général, la façon de procéder est d'enlever les occupants précédents et d'enlever les occupations du sol précédentes. Donc c'est quand même une zone voilà, où il n'y a plus d'agriculture, mais où en fait, il n'y en aura plus jamais. Ouais. Voilà. Et quand on le fait, ce n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que sur certains sites réhabilités, sur des stériles miniers, j'ai vu des projets de réhabilitation avec des orangers, etc. Bon, sur le niveau de pollution des sols, on peut se dire que c'est quand même une idée très contestable, quoi. Il vaut mieux adapter l'usage au sol et voilà, donc soit faire une réserve de biodiversité, soit faire des usages qui sont compatibles avec la pollution, mais voilà. Donc, on va dire les précédents occupants sont peut-être les deuxièmes victimes collatérales et ensuite les habitants locaux qui peuvent effectivement voir leurs eaux polluées, leurs eaux souterraines polluer, recevoir de la pollution par l'air. Mmh. Voilà. Donc, y a... Et un dernier impact, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout dit, qui est très important, ce que j'ai parlé d'utilisation de l'eau, mais en fait, la mine crée un stress hydrique là où elle s'installe, très souvent de manière très importante, à la fois pour la grande consommation d'eau pour la métallurgie, donc notamment pour l'hydrométallurgie, mais même pour la mine elle-même, en fait, comme souvent la mine est en dessous du niveau de la nappe phréatique, quand il y a une nappe phréatique, on est obligé de pomper en permanence pour diminuer le niveau de la nappe pour pouvoir mettre les installations au sec. Donc ça peut créer un rabattement de nappe, c'est-à-dire que votre niveau de la nappe, il était comme ça, et bien là où il y a la mine, il va faire comme ça. Et donc, quand on a un puits un peu plus loin qu'on était un agriculteur, et que la nappe a été rabattue, il peut se retrouver tout à coup à sec. Ouais, ouais. Donc l'impact en fait en termes de kilomètres carrés, il peut en fonction de la taille de la mine être assez large et impacter des agriculteurs et des habitants qui habitent relativement loin de la mine. Et c'est ce qui se passe notamment au Chili avec l'exploitation du lithium, donc qui est déjà une zone aride. Donc il y avait déjà des problèmes d'eau avant la mine, hein, mais comme on... Alors, c'est une mine un peu particulière, donc c'est pas les eaux d'exor, c'est parce que les mines de lithium, on pompe le lithium. C'est un peu plus comme le pétrole, parce que le lithium est visqueux, en fait, et donc c'est pas un solide, donc on peut le pomper. Donc on pompe, et en le pompant, on agit aussi sur le niveau de la nappe et on diminue le niveau de la nappe. Et donc là, les habitants qui sont autour des exploitations assez intensives de lithium au Chili se retrouvent avec des problèmes pour la consommation et pour l'agriculture. Voilà. Okay. Pardon, je pars trop loin. Non, non, mais c'est, je veux dire, on cadre bien maintenant comment c'est assez phénoménal tous ces éléments-ci. Évidemment, on utilise un peu... donc c'est un peu ça que tu as fait dans ta thèse, c'était de devoir prendre un métal ou un minerai en particulier, regarder en amont, en aval, les différents enjeux environnementaux, sociétaux, et comment naviguer entre ceux-ci. C'est ça. Toi, tu avais bossé sur le néodyme, c'est ça? Oui, donc le néodyme qui est utilisé dans les aimants néodyme fer-bore. Et donc les aimants néodyme-fer-bore qui sont des aimants, on va dire, très puissants. Et donc on appelle les éléments permanents et qu'on peut... qui peuvent servir à faire des moteurs électriques, et notamment des moteurs miniaturisés, comme ils sont très puissants. Donc il y a toute une gamme d'usages qui est tous les mini-moteurs électriques qu'on a dans le quotidien, la brosse à dents électrique, pour faire de la mousse de lait dans le cappuccino, pour monter et descendre la fenêtre dans la voiture. Enfin, la plupart de ces petits moteurs électriques, c'est ça. Il y a un gros usage aussi dans dans l'électroménager et dans l'électronique, c'est ça que je voulais dire, notamment ces têtes de lecture des disques durs, donc c'est ça, et également des usages assez importants dans la transition énergétique, puisque ça peut être utilisé dans les éoliennes, donc c'est beaucoup utilisé dans les éoliennes offshore notamment, et pour les moteurs de voitures électriques. Donc ça c'est quand même élément assez phare. Voilà. Ouais. Donc, qui a été mis dans les lois justement sur les métaux critiques, et notamment la loi Critical Raw Material Regulation qui est en train de passer en ce moment au niveau européen. Donc elle est dans la liste des métaux critiques et dans la liste des métaux stratégiques, et il y a tout un chapitre qui est consacré spécifiquement à ces aimants néodyme-fer-bore. Et dernier usage, et non des moindres, et aussi un usage militaire, où apparemment ça sert dans le guidage des missiles. Donc voilà, puisqu'il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que les usages militaires influent quand même pas mal les politiques et les décisions qui sont prises au niveau étatique, voilà, sur les métaux stratégiques. Mais du coup, ce que j'ai regardé sur le néodyme dans ma thèse, c'est à la fois effectivement les impacts à toutes les étapes de production entre la mine de terre rare. Donc moi, je me suis concentrée sur la Chine, qui est 85% de la production de terre rare dans le monde, en tout cas à l'époque où j'écrivais ma thèse, en 2016. Et, petite parenthèse, c'est quoi une terre rare ? Ah oui. Alors, donc, les terres rares, c'est une famille d'éléments qui contiennent 17 éléments différents, et le néodyme, c'est une d'elles, voilà. Donc, qui est utilisée dans ces éléments, comme je disais. Et donc, j'ai regardé toutes les étapes de production depuis la mine jusqu'à la fabrication des aimants, leurs impacts. Et moi, ma problématique, c'était de regarder en particulier cette histoire de déplétion, c'est-à-dire la diminution des teneurs et la perte aussi, toutes les pertes de matériaux qu'on a le long de la filière, tout ce qu'on perd, comment ça vient aggraver les impacts déjà présents. Et donc, moi, je pensais regarder au départ plutôt la baisse de teneur, et en fait, sur les terres rares, on ne la constate pas encore, c'est aussi plutôt le début de l'exploitation des... Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est plutôt le début. Ensuite, sur les mines, et notamment la mine que j'ai le plus regardée, c'est un coproduit. Donc, en fait, les teneurs sont déjà basses. Elles ne sont pas en train de diminuer, elles étaient basses dès le départ. Et donc, ce qu'on voit qui a quand même le plus d'impact, enfin, ce qui est un moteur pour tirer le plus les impacts environnementaux, c'est moins la diminution des teneurs que le fait que le rendement est totalement inefficace et qu'on en perde énormément. Donc c'est, en fait, dès la première étape de production, 90% des terres rares, et notamment le néodyme, partent dans les stériles miniers. Donc on a un rendement vraiment très très faible, quoi, sur la mine en Mongolie. Et bon, c'est notamment dû au fait que ce soit un coproduit. C'est-à-dire que quand on traite les métaux, on choisit ce qu'on va le mieux traiter, sur quoi on va mettre la priorité dans la feuille de procédé, quoi. Et donc, les industriels chinois de cette région ont choisi de mettre la priorité sur le fer. Et ça, c'est un peu une décision qui est historique, parce que c'était un bassin minier de l'acier. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois et d'industries qui sont tournées vers l'acier. Du coup, ils ne peuvent pas se permettre de prioriser les terres rares par rapport à l'acier dans cette région-là. Et donc, voilà. Et je pense qu'on peut généraliser, alors je n'ai pas fait sur tous les métaux, mais j'ai vu des études en ce sens, c'est justement ce qu'on appelle les petits métaux ou les métaux verts ou les métaux high-tech, donc tous les métaux qui ont un nom bizarre qu'on entend récemment. Donc pas les grands métaux industriels comme le fer, le cuivre, l'aluminium, les autres, comme le lithium, les terres rares, le germanium. Enfin bon, alors le lithium est un contre-exemple, mais bon, je suis un peu perdue. Mais dans les terres rares et dans beaucoup d'autres métaux qu'on appelle parfois les métaux rares, mais j'aime pas cette appellation parce que c'est pas très juste. Mais donc tous ces métaux high-tech, en fait, c'est souvent des coproduits. Donc c'est souvent des métaux sur lesquels on pourrait avoir une augmentation du rendement, ou dit autrement, sur lesquels on a beaucoup de pertes en fait en ligne de production actuellement. De manière un peu surprenante parce que on en entend parler partout, on dit que c'est super important, c'est plutôt cher, et pourtant on ne les produit pas de manière très efficace. Ouais. Ouais. Et du coup, donc là, on se retrouve dans ce diagnostic. On va avoir les gros métaux, comme tu as dit, les métaux industriels, l'acier, l'alu, le zinc, machin. Et puis les petits métaux ou les métaux un peu plus limites, un peu plus difficiles à capter, et aussi les métaux qui sont un peu les vitamines aujourd'hui. Et on se retrouve un peu dans une espèce de croisée de chemin. On a d'un côté... on maintient les grosses masses, et de l'autre côté, on essaye de décarboner, parce que, enfin non, on a dépassé plein de limites planétaires à cause de l'extraction ou autre, et on essaye de décarboner en toute urgence, mais il faudrait idéalement, on a parlé des impacts sociétaux, économiques qui peuvent être liés avec l'extraction, et aussi des impacts sur les autres écosystèmes, enfin pas seulement sur le changement climatique. Et du coup, on se dit, bon, décarbonons, mais est-ce qu'on peut décarboner en utilisant des matériaux, des minerais pour faire des technologies bas carbone et en même temps maintenir les écosystèmes in check. Enfin, ça commence à devenir assez compliqué, quoi. Donc, comment on jongle dans ces positions assez compliquées? On est dans la croisée de chemin, on a plein de choses à faire, et peut-être qu'on peut parler un peu plus tard de l'IEA et les différents scénarios prospectifs de où on va aller avec tous ces métaux et tous ces minerais. Oui, bah, pour ça, déjà ça me fait rire l'expression vitamine, parce que c'est une expression de Xi Jinping, je ne sais pas si tu sais, mais voilà, donc c'était l'expression justement de Xi Jinping sur les terres rares, en disant que c'est les vitamines de l'économie chinoise. Mais oui, bah, je pense que pour ça... faut déjà en fait faire un peu des grandes distinctions, et de quoi on parle en fait, parce que de quels métaux on parle, de quels problèmes de l'extraction on parle, et donc je vais essayer de faire les grandes lignes, hein, parce qu'il y a des choses très très différentes derrière. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas expliqué quand j'ai dit, donc il y a les minerais métalliques, les minerais non métalliques, donc je ne suis pas allée dans le détail des métaux, donc je vais le faire là. Pas hyper détaillé, mais les grandes masses. Donc on a du coup les grands métaux industriels, comme je disais, donc fer et acier, donc cuivre, zinc, plomb, aluminium, nickel, je dois sûrement en oublier, mais voilà, ceux dont finalement en fait c'est ceux qu'on connaissait déjà un peu avant, en tout cas, voilà, oui. Un peu. Et donc, dans ces grands métaux, il y a déjà le fer. Enfin, il faut avoir un peu les ordres de grandeur en tête. Le fer, c'est à peu près 2 milliards de tonnes de production par an. Donc, il est loin devant tout le monde. Ensuite, on a les autres métaux industriels qui sont plutôt à quelques centaines de millions de tonnes de production et de consommation par an, comme cuivre, aluminium, etc. Ensuite, le nickel à quelques millions. Et ensuite, tous les autres, dont on n'entend pas tout le temps parler, on n'est que à quelques centaines de milliers de tonnes par an. Centaines de milliers, oui. Donc oui, c'est milliards, centaines de millions, nickel, quelques millions. Et ensuite, lithium, terres rares, tous ces trucs-là, centaines de milliers. Donc c'est vraiment petit. C'est un ordre de grandeur de 2000, enfin oui, c'est voilà. Énorme, quoi. C'est ça. Et ce qui fait que... quand je dépeignais les grands impacts, 10% du changement climatique, 10% des matières particulières, c'est pratiquement entièrement le fer et le cuivre. D'accord. Voilà, quand on regarde les barres d'impact du groupe international d'experts sur les ressources, c'est pratiquement que le fer et le cuivre. Les impacts climatiques, c'est très majoritairement le fer et l'acier. Et les impacts écotoxiques, c'est beaucoup le cuivre. Mmh. Après, le cuivre est souvent exploité avec d'autres ressources. Donc, par exemple, l'or et les métaux, la plupart des métaux précieux peuvent être des sous-produits de l'exploitation du cuivre. Donc voilà, mais bon, c'est quand même, on va dire, ces deux métaux-là, déjà, tirent une grosse majorité des impacts. Donc, une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas que la transition énergétique ne va pas augmenter les impacts des petits métaux. Je parle vraiment de la situation actuelle. Donc, à la situation actuelle, si on voulait diminuer les impacts drastiquement de l'exploitation, on se concentrerait sur les grands métaux. Et là, il y a plein de questions à se poser, mais qui ne sont pas les questions qu'on se pose actuellement. C'est-à-dire, comment on design, comment on conçoit un système économique de production et de consommation en consommant moins de cuivre et d'acier. Comment on fait ça en rendant justice, dans un esprit de justice et d'équité globale? Parce que pour l'instant, une chose dont on n'a pas parlé dans la discussion, c'est quand même que, grosso modo, les 20% qui consomment qui ont le plus gros stock de métaux. Parce qu'on peut parler en stock, parce que les métaux, une fois qu'on les a extraits, ils restent dans notre économie. C'est pas comme le pétrole, on les brûle pas, ils sont toujours là. On peut éventuellement les réutiliser, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, dans cette répartition de stock à l'échelle planétaire, c'est très injuste. Les 20% qui ont le plus gros stock de métaux ont 70% du stock de métal. Et les 20% qui ont le moins de métaux ont à peu près 1% du stock de métal. Donc, et c'est très, très corrélé au niveau de richesse des pays. Hein, ouais. Voilà. Et donc ça, voilà, il y a toutes ces questions, c'est-à-dire, finalement, si on voulait limiter ces impacts, et comme j'ai dit, pour limiter le changement climatique, on a besoin de limiter notre consommation, il nous faudrait presque une COP, mais une COP ressources, en fait. C'est-à-dire, après la COP climat, il faudrait une COP mondiale de dire, bon, alors on s'arrête où, à quelle tonne on s'arrête, parce que sinon c'est plus possible, la biodiversité ne va pas tenir, on va avoir trop d'impact, on va pas pouvoir respecter les accords climatiques. Et donc, qui a droit à combien de cuivre, de fer, etc. Et ça, c'est des enjeux majeurs aussi de développement, parce que tous les grands métaux industriels dont j'ai parlé, c'est beaucoup des métaux qui sont utilisés pour les infrastructures, pour le transport, pour les infrastructures électriques, les réseaux électriques. Donc, c'est des enjeux de développement très, très importants. Et donc, ça, limiter ça, ça va poser beaucoup de questions. Et on va être obligé de le faire parce qu'on a décrit les impacts. Et j'avais listé à un moment le nombre de limites planétaires auxquelles contribuent les métaux. Et c'est... alors, c'est pas tous, mais oui, on a effectivement... changement climatique, aérosol, biodiversité, changement d'usage des sols, et ça de manière massive, hein, pas de manière vraiment anecdotique. Donc voilà, donc pour moi, ça, c'est la seule manière, donc la réponse brève à ta question, c'est la seule manière de pouvoir faire répondre à la décarbonation, aux besoins de décarbonation, tout en limitant les impacts que je viens d'exposer, c'est de limiter la consommation. Donc, c'est arriver à faire un développement raisonnable, équitable, durable, avec moins. Et donc ça, on en est vraiment tout début de la réflexion. Voilà, c'est vraiment une question qu'on ne se posait pas avant, de se rendre compte qu'en fait, on est dans une transition qui va devoir être une transition de l'énergie et de la matière. Et ça aura des conséquences quand même très importantes sur la production. Donc ça, c'est pour les gros impacts. Et après, tous les autres métaux dont on entend parler beaucoup, lithium, les terres rares, par exemple, le cobalt aussi dans les batteries. Là, l'enjeu, il va être de limiter l'augmentation parce qu'on ne va pas pouvoir réduire en valeur absolue tout de suite parce que c'est là où on arrive au scénario de l'IEA. Voilà, si on chiffre la plupart des trajectoires chiffrées qu'on peut faire de transition vers le bas carbone, donc que ce soit sur les transports avec le véhicule électrique notamment, ou sur les moyens de production énergétique, on n'arrive pas à faire sans augmenter un peu la production dans les prochaines années. Dit autrement, le stock des métaux qu'on a déjà, il n'est pas suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Ou adéquat, enfin, c'est pas le bon... oui, c'est ça. Ouais. Oui, on a bien trop d'or. L'or, c'est pas la peine. Par exemple, notamment, l'or, ça a été un gros sujet dans les organisations écologistes, parce que les premières fois qu'on a parlé de relance minière en Europe et notamment en France, en fait, derrière, les permis qui étaient déposés, c'était les permis de recherche d'or. Et ça, pour le coup, on peut dire qu'on n'en a pas besoin de plus. En fait... l'or n'a que 10% d'usage industriel et 40% de notre consommation viennent déjà du recyclage. Donc en fait, on n'a pas besoin de plus d'or. L'or aujourd'hui, il sert massivement pour la bijouterie et comme valeur refuge dans le secteur bancaire sous forme de lingots. Donc c'est pas... Évidemment, ce n'est pas pour faire une échelle de valeur morale, voilà, mais simplement, quand on voit les impacts massifs sur la biodiversité, on peut se dire, avec une analyse coût-bénéfice raisonnable, que peut-être on n'a pas besoin de nouvelles mines d'or. Alors que quand on parle effectivement lithium, nickel, cobalt, selon certaines études que j'ai regardées aussi, argent, voilà, ça va pas suffire ce qu'on a pour faire la transition. Après, si tu veux, on peut aller dans le détail de quels sont les différents scénarios, parce qu'il y a quand même des différences. C'est pas parce que... Enfin, on va dire, pour moi, il y a quand même un consensus assez général du fait que, malheureusement, on peut pas diminuer la consommation, pardon, la production de lithium demain, minière. On va en avoir besoin d'un peu plus. Par contre, ça veut dire quoi? Un peu plus. Et donc là, on va de un peu plus à vraiment beaucoup plus, selon les projections. Notamment, si on regarde la projection de la Banque mondiale, on est à peu près... alors, ils ont fait, eux, de 2013 à 2050, mais si on enlève de 2013 à 2023 et qu'on regarde ce qu'il nous reste à faire, le chemin à parcourir, il faut qu'on augmente tout de suite la production mondiale de x6 et qu'on reste à ce niveau-là à x6, donc 600 000 tonnes au lieu de 100 000 tonnes de production de lithium, et ça jusqu'à 2050. Donc c'est une augmentation qui est vraiment énorme, en fait, x6 capacité de production. Alors, il y aurait évidemment des impacts environnementaux, c'est sûr, et en plus, il y a des questions tout simplement industrielles. C'est pour ça qu'il y a une petite panique générale en ce moment autour du lithium, c'est parce qu'en fait, on n'est pas sûr d'y arriver aussi vite, voire on est plutôt certain de ne pas y arriver aussi vite. Et notamment avec certains... Ne pas arriver à en extraire autant, parce que les mines ne sont pas là, les personnes ne sont pas là, etc., c'est ça? Oui. Alors, je ne dis pas que le volume général d'ici à 2050, on ne peut pas y arriver, mais il y a un moment dans les prochaines années, dans les années là qui arrivent, où il va y avoir une grosse tension, parce que notamment, on a passé une directive en Europe. Donc c'est très bien qu'on ait passé cette directive, il faut décarboner le secteur du transport, hein. Je ne veux pas qu'il y ait de doute là-dessus, mais par contre, c'est d'ici à 2035, plus de ventes de véhicules thermiques, donc toutes les nouvelles ventes doivent être des véhicules électriques, et ça, je ne sais pas si on n'aura pas assez pour nos usages, mais par contre, c'est sûr qu'il n'y en aura pas assez pour tous les producteurs automobiles en même temps, et qu'il va y avoir quand même un peu une guerre sur les approvisionnements. Ce qui peut expliquer pourquoi on est en train de passer maintenant une loi qui nous permet à la fois d'augmenter nos capacités de production au niveau européen, de créer des stocks et d'augmenter le recyclage. Bref, c'est quand même une loi qui est notamment là pour répondre à cette inquiétude de l'industrie automobile de ne pas sécuriser assez vite ses approvisionnements et du coup de devoir moins vendre. Donc ça, c'est, on va dire, pour la vision industrielle de la chose. Pour la vision écologiste de la chose, nous, on pense qu'on peut décarboner le secteur de l'industrie et faire de la sobriété pour diminuer notre consommation. Donc, diminuer notre consommation, entre autres de lithium, mais de tous les métaux dont on a besoin pour faire une voiture, donc ce qui aussi permet de diminuer aussi nos émissions de gaz à effet de serre, parce que l'industrie de l'acier et de tous les métaux dont on a besoin pour faire la voiture, elle n'est pas encore décarbonée, pour le coup. Et on peut limiter, en fait, on ne peut pas réduire dès maintenant en valeur absolue, parce que sinon, ça voudrait dire utiliser plus aucune voiture. Et ça, quand même, dans certains secteurs, c'est compliqué, notamment à la campagne, c'est compliqué. Il y a quand même des gens qui ont encore besoin de voitures pour se déplacer. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est activer des leviers pour consommer moins et du coup que la pression soit moins grande en fait à la fois sur les écosystèmes pour la production, à la fois industriellement. En fait, finalement, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça nous permet d'être plus résilients au choc. Si jamais il y a une rupture d'approvisionnement demain, on s'est déjà préparé à en consommer moins. Et donc se préparer à consommer moins, bah, moi j'essaye d'étudier ça sur toutes les filières de métaux, mais et sur certaines filières, c'est compliqué. Sur le lithium, avec l'association Négawatt, on a déjà chiffré et étudié les leviers. Et donc, les leviers, c'est, alors sans surprise, développer les transports en commun et le report modal, les modes de transport doux, mais c'est aussi ce qu'on appelle de la sobriété organisationnelle. Ça veut dire qu'en tant que société, on s'organise autrement. Donc, développer les transports en commun, ça veut aussi dire les rendre accessibles. Ça veut aussi dire permettre aux gens de se déplacer moins, notamment faire plus de télétravail pour se déplacer moins. Ça veut dire qu'on rend certains transports plus accessibles, comme par exemple le train. Donc ça, il faut aussi des solutions économiques pour que les gens puissent favoriser le train sur les longues distances. Parce qu'on propose aussi des véhicules dont on va limiter l'autonomie parce qu'on va en limiter la taille, en fait. Donc on va faire des petits véhicules avec des petites batteries. Donc, mécaniquement, ça sera aussi des véhicules qui seront moins autonomes. Et donc, ça veut dire qu'on favorise la voiture pour des courtes ou moyennes distances et que pour les longues distances, on prend le train et éventuellement, on reloue une voiture en autopartage en arrivant. Donc voilà, favoriser l'autopartage, favoriser le covoiturage. Dans nos scénarios, à la fin, nous, on est en moyenne à 2 personnes par voiture. Donc, ça ne veut pas dire que c'est en permanence, que c'est une moyenne. Mais ça veut quand même dire que tout le monde tout seul dans sa voiture, c'est plus possible. Et ça, on peut aussi voilà, accompagner au niveau des politiques publiques ces changements voilà, en proposant des flottes d'autopartage, en proposant aussi des espaces urbains où on n'a pas besoin d'aller super loin pour faire ses courses. Donc, c'est aussi des questions d'aménagement du territoire. Voilà, donc finalement, quand on touche à qu'est-ce que ça veut dire réduire notre consommation d'un métal, bah, derrière, en fait, à plein de choses. Quoi, ouais, ouais. Voilà. Tu as touché brièvement, mais je pense qu'on peut parler un peu plus de ça. Tu as parlé de les législations européennes, comment elles changent et comment... l'Europe cherche éventuellement de redevenir autonome par rapport à certains matériaux, soit via l'exploitation locale, soit via le recyclage, etc. etc. Peut-être que là-dedans, on parle souvent de... Tu as parlé du lithium, il y en a de plus en plus au Portugal, peut-être même en France. Enfin, comment tu vois cette extraction? Donc évidemment, la meilleure mine est celle qui n'existe pas ou celle où on a réduit l'exploitation. Mais est-ce que le fait de relocaliser certaines chaînes de valeur, d'approvisionnement, vont avoir d'autres effets bénéfiques ou négatifs dans tout ça, selon toi? Alors, moi... pas mal de choses à dire là-dessus. Pour moi, effectivement, comme tu le disais, c'est mettre la charrue avant les bœufs, parce que se poser la question de, comme disent certains, prendre notre part, puisque c'est injuste en fait que toutes les mines soient dans les pays du Sud, et pourquoi pas, mais il faudrait que ça vienne après, c'est de poser la question de comment moins consommer. Encore une fois, pour des raisons évidentes environnementales, mais aussi pour des raisons de réalisme, en fait, parce que, comme j'ai dit, il y a la déplétion, donc on a parlé de la déplétion, donc de la diminution des teneurs, mais on n'a pas parlé des stocks. Je ne rentrerai pas dans le débat de pour combien de temps il nous en reste. Ce qui est sûr, c'est que tout ce dont on parle, c'est des ressources finies. Donc, il y a un moment, il y a aussi un principe aussi d'équité intergénérationnelle, comme on dit, qui est dans le laisser pour après. Donc pour ça, dans tous les cas aussi, il faut moins consommer. Parce que ça nous rend plus résilients au choc, parce que sur tous les problèmes qu'a listé l'Union européenne, les problèmes de rupture d'appro, sur le problème de on n'est pas assez indépendant, en fait, sur tous ces aspects-là, la sobriété et le fait de moins consommer nous aident. Mmh. Donc ça paraît une solution qui est d'abord réaliste. Et quand on dit moins consommer, c'est pas comme ça en valeur absolue. Ça veut aussi dire que, par exemple, moi, pour la filière que je connais bien, le néodyme, puisque j'ai fait ma thèse dessus, à un moment, on n'aura plus de néodyme pour faire des éoliennes parce qu'on aura tout passé dans des brosses à dents électriques ou dans des trucs pour faire du cappuccino. Bon, et moi, j'adore les cappuccinos, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des questions de priorité en termes voilà, d'assurer un niveau de vie décent pour tout le monde. Et pour ça, il nous faut de l'énergie, il nous faut du transport. Il y a mettre des priorités. Donc, ce n'est pas forcément tout moins consommer de tout, mais c'est aussi prioriser les usages. Et pour ça, il faut assumer d'être à nouveau aux commandes de notre consommation. Je pense que ça commence à arriver. On commence à entendre des termes comme planification écologique, etc. Mais là, dans la loi qui est en train de passer, le Critical Raw Material Act, en fait, la question des usages, elle est en intro, elle est dans le débat, mais elle est nulle part dans la loi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on promet de faire de développement industriel, on ne se préoccupe pas de l'usage de ce qu'on va faire. Donc, ceci étant dit, il faudrait quand même mettre le paquet d'abord avant sur la sobriété et sur la priorisation des usages. Pour certains métaux bien particuliers, parce que là, ce que j'ai dit, on a encore un problème de différencier les différents métaux et leurs usages. Et ben, moi, je trouve que c'est pareil dans cette loi, c'est que pour certains métaux, où on ne peut pas faire autrement, comme on l'a dit, lithium, cobalt, argent, sur certains métaux, pourquoi pas, effectivement, après avoir fait de la sobriété, prendre notre part. Et pour ça, il faudrait des garde-fous environnementaux, où on disait, bah oui, quand on fait en Europe, ça va être mieux qu'ailleurs. Mais ce qui est en train de se passer, là, notamment avec cette loi, c'est plutôt qu'on est en train de s'aligner vers le bas sur les standards environnementaux. Et donc, on ne peut pas dire, d'une part, on veut le faire parce qu'on veut prendre notre part et on veut être exemplaire, et mettre dans la loi un paragraphe sur l'overriding public interest, donc intérêt public supérieur, qui dit que, comme c'est d'intérêt public supérieur, on a droit de contourner la directive 4 sur l'eau, la directive Habitat, donc en protection de la biodiversité, là encore une limite planétaire, et la directive Oiseaux. Donc, encore faudrait-il que cette loi, elle vienne plutôt renforcer les garanties environnementales que de les diminuer, parce que sinon, on a quand même un risque de finalement n'être pas si exemplaire que ça environnementalement. Je voudrais quand même dire ici que parfois, j'entends même chez des écologistes ou des gens qui voilà, défendent la cause environnementale, que finalement, ne pas vouloir de mines de lithium chez soi, par exemple au Portugal ou en France, c'est un réflexe NIMBY, un peu « not in my backyard ». Et je voudrais quand même dire qu'une mine industrielle d'ampleur, ça n'a rien à voir avec un champ d'éoliennes. Hein. Voilà. Faut quand même, c'est parce qu'on a aussi perdu les notions de ce que c'était. Et qu'en plus, depuis que nous, en France, on a pratiqué... Alors, on n'a pas complètement arrêté l'extraction minière, mais presque complètement. On a une mine de talc dans les Pyrénées, une mine de sel, bon, on n'a presque rien. Les mines sont devenues aussi beaucoup plus imposantes. Et donc, certains projets dont on parle, c'est des projets qui sont très importants, en fait, en termes de capacité de production, et du coup, qui auront des impacts. Alors, voilà, je ne veux pas, avant d'avoir fait l'étude d'impact, préjuger des impacts, ça dépend effectivement du plan de gestion de l'entreprise, mais qui auront des impacts, et qui auront des impacts importants, et ça se verra. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut se mettre notamment un certain nombre de garde-fous. Pour moi, alors, contourner toutes les directives que j'ai dit, c'est pour moi un scandale, notamment sur la biodiversité, quand on sait comment le nombre d'oiseaux est en train de chuter, comment la biodiversité chute. Et alors, la directive 4 sur l'eau, je pense que c'est carrément irresponsable, en fait. Parce que l'industrie extractive consomme quand même beaucoup d'eau, pollue les eaux. Il faut au contraire vraiment encadrer cette consommation et commencer à prévoir maintenant, si vraiment on veut faire de l'extraction, les conflits d'usage qu'il va avoir en contexte de changement climatique et de stress hydrique qui augmente, en fait. Parce que si on veut vraiment devenir des gros producteurs, on prend l'exemple. Je reprends l'exemple du Chili avec le stress sur l'eau. Le Chili, c'est un gros producteur de lithium, mais aussi de cuivre, ce qui fait que 70% de l'eau utilisée au Chili est utilisée pour l'industrie extractive. 70%. Autre exemple, quand il y a eu la crise des semi-conducteurs, donc c'est pas exactement de la métallurgie, mais bon, on est quand même sur des industries lourdes, dont on a un peu oublié le fonctionnement en partie en Europe. Semi-conducteurs, la crise des semi-conducteurs à Taïwan, en fait, ce qu'on a peu dit, c'est que c'était aussi beaucoup pour des raisons environnementales. Et notamment, il y a eu un problème d'approvisionnement en eau, ce qui a ralenti, il y a eu un stress hydrique, ralenti la production. Et donc, quand le gouvernement a dû choisir entre l'eau potable et continuer à faire tourner l'industrie, ils ont continué à faire tourner l'industrie. Et ils ont distribué des bouteilles d'eau à la population. Donc voilà, il y a quand même quelques soucis comme ça qui sont à prévoir. Et après, sur effectivement quelques métaux sur lesquels on ne va pas pouvoir se passer d'augmenter, une fois qu'on aura un plan de sobriété, un plan de priorisation des usages qui sera digne de ce nom, bon, je suis très optimiste, hein, je ne suis pas sûre qu'on l'ait rapidement, mais imaginons qu'on l'ait, prendre notre part dans des bonnes conditions environnementales ne me paraîtrait pas complètement hallucinant. Mais voilà, et je dis ça, et là je ne prends pas position projet par projet, parce que pour l'instant, sur aucun des gros projets dont j'ai connaissance, que ce soit sur le lithium ou autre chose, on n'a pas les études d'impact environnemental, on n'a rien. Donc on ne sait pas en fait vraiment en détail ce qu'est le projet. Donc voilà, donc c'est difficile de prendre position, premièrement. Et deuxièmement, nous, à l'association Négawatt, on essaye plutôt de travailler surtout sur où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête au maximum en termes d'extraction, c'est-à-dire combien de tonnes de cuivre on va utiliser en Europe dans les prochaines années de lithium, essayer de se dire quelles limites seraient compatibles avec les limites de la planète et quel minimum il nous faut pour être dans des bonnes conditions de vie. Donc c'est là-dessus, moi, que j'essaye de travailler sur le projet minimal, à encadrer la production à un niveau méso. Et ce qui fait que bah, j'ai pas le temps, en fait, de me positionner projet par projet. Et notamment de regarder des choses qui sont essentielles pour le local, c'est-à-dire la toxicité, la participation des populations locales dans le processus de décision. Et ça, c'est plutôt d'autres organisations environnementales qui regardent vraiment ces choses-là spécifiquement, que nous regardons. Tu parles de cet aspect-là, de ton projet minimal. Je pense qu'il est super intéressant, parce que tu mentionnes un peu les idées de l'économie du donut avec un plancher et un plafond. On a parlé, quand on avait parlé en amont aussi, on avait parlé de stationnarité. Je pense qu'on peut en parler aussi un tout petit peu ici. Moi, ça me retourne un peu le cerveau quand j'essaye de penser. C'est quoi la quantité de métaux suffisante? Enfin, quel est le besoin qu'on identifie en amont pour se dire que ce besoin-ci a besoin d'autant de métaux? Enfin, comment on table sur quelle pourrait être une quantité suffisante de métaux? Après, on peut le décliner sur différents types de métaux. Et évidemment, la quantité absolue n'est pas ce qui m'importe, mais c'est plutôt la démarche. Comment, toi, collectivement, on peut commencer à se dire « Ok, il y a tel besoin ». Ils sont plus ou moins considérés essentiels. Ça, j'imagine que c'est quelque chose de démocratique, quelque chose qu'on met sur la table. Mais du coup, par après, OK, du coup, ces besoins nécessitent autant de matériaux. C'est comme ça que ça se goupille, cet exercice de pensée-là? Oui. Et après, il sera nécessairement... donc, c'est ce qu'on va essayer de faire sur le projet minimal, sur 8 métaux différents. Ça sera nécessairement non exhaustif. Et subjectif. Voilà, parce que non exhaustif, parce qu'on va forcément oublier des choses, et en plus, bon, entre maintenant et dans 20 ans, qui peut savoir comment va évoluer l'économie et de quoi on aura besoin, etc. Donc les exercices, c'est pour ça qu'on essaye plutôt d'appeler ça une cartographie qu'un exercice prospectif, parce que c'est déjà difficile d'imaginer les besoins minimaux en métaux qu'on a maintenant, donc c'est encore plus difficile de le faire dans le futur. Donc l'idée, c'est de partir de deux méthodologies, donc le Living Wage et Universal Basic Services, qui définissent un peu des besoins essentiels qu'on a. Alors, je sais que c'est très critiqué parce que c'est assez, on va dire, c'est universaliste en fait, alors qu'on n'a pas tous les mêmes besoins partout et que selon les types de population, ce qui va être jugé essentiel n'est pas la même chose partout. Donc évidemment, c'est pour ça que je disais que c'est subjectif et contestable, mais il y a quand même certains besoins qui ne sont pas tout à fait contestables, comme le besoin de manger, le besoin de se loger correctement. Après, évidemment, la définition de se loger correctement varie, je sais bien, mais voilà, donc il y a manger, se déplacer, se loger, avoir accès à des services sociaux de qualité, donc pouvoir se soigner, s'éduquer, avoir accès à la culture. Donc ça, il y a des définitions qui, selon les méthodologies et papiers, sont plus ou moins précises. Sur le living wage, ça peut paraître peut-être étrange pour les gens qui connaissent ça, d'utiliser ça, parce que c'est une méthodologie qui permet d'établir un revenu en fait, de base pour les besoins essentiels. Mais comme les auteurs de cette méthodologie avaient besoin de n'importe quel endroit dans le monde, être capable de calculer ce besoin, ce revenu, ils ont fait parfois des tableaux assez détaillés de il faut combien de ciment pour faire une maison, combien de trucs, pour avoir les coûts et ensuite transformer ces coûts en revenus. Et donc nous, ce qu'on va essayer de faire, donc on n'a pas encore les grilles complètement faites, c'est de prendre effectivement ces méthodologies de besoins de services universels et les transformer en objets, en fait, donc en matériaux. Et donc se dire effectivement... donc ce qui a en partie déjà été fait dans des scénarios de Négawatt, parce que les scénarios de Négawatt, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de pourvoir aux besoins essentiels en faisant un certain nombre d'hypothèses, donc par exemple que j'ai exposé sur les transports, de quoi on va avoir besoin demain. Et ça, toutes les hypothèses qu'on a faites sur les services ont été traduites dans des grandes matrices avec l'aide de deux personnes. Enfin, il y en a plein, mais notamment Emmanuel Rosier et Adrien Toledano ont beaucoup travaillé là-dessus et ils ont permis de chiffrer l'empreinte matière justement de ces choix pour arriver à subvenir les besoins. Donc ce que moi je vais essayer de faire, c'est effectivement de rendre ça assez carré et transparent, c'est-à-dire les besoins essentiels. On considère que c'est... Enfin, les services... plutôt les services essentiels, c'est ça, 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 ça. On a besoin de tant de matériaux pour y subvenir. Et là où il y a un aspect démocratique, c'est justement... Moi, je ne pourrais pas aller vraiment plus loin dans l'aspect démocratique que la transparence. Et pour moi, je considère qu'après, c'est transparent pour être ouvert à la discussion. Parce que, évidemment, après, c'est des... Quand on parle de services sociaux universels, essentiels... Bah, c'est des choix de société, donc évidemment, on peut avoir mettre le curseur en termes de besoins plus ou moins haut. Mais voilà, moi je réponds un peu, on va dire, à cette critique par le fait que, un, c'est transparent et donc contestable, et de deux, ça s'assume comme être un minimum. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plus. Ça veut juste dire que nous, quand on réfléchit à de la sobriété, à la réduction, il ne faut pas descendre en dessous, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, et j'ai oublié, bien sûr, dedans, on prend aussi en compte de faire la transition énergétique. Ouais. Voilà, donc il y a dans les besoins essentiels de l'humanité, il y a pouvoir produire de l'énergie de manière décarbonée. Mais c'est quand même un changement de focus par rapport à avant, parce que c'est plus l'unique objectif d'avoir des matériaux juste pour faire la transition énergétique, mais c'est bien pour tout, et d'avoir ce minimum social. Voilà, donc après, tu te dis, ça fait des nœuds au cerveau. Bah, moi aussi, ça me fait des nœuds au cerveau. Parce qu'évidemment, c'est compliqué de prendre en compte l'ensemble des objets bah ouais. et des services qui existent. Et donc, il y aura probablement des zones entières où on dira, bah, ça, on ne l'a pas modélisé bah, parce que... on ne pouvait pas tout faire. Ouais. Ah oui, non, mais, ouais. Ça me fait beaucoup penser évidemment aussi aux travaux de Nashima Rao, de Julia Steinberger et tout ça, enfin, qu'ils essayent de penser au système de provision de services, etc. Enfin, donc, je suis vraiment curieux parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est à partir des besoins vers les ressources plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, on consomme autant, on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, ce serait déjà beaucoup plus intéressant d'agir comme ça. Si on peut synthétiser ce qu'on a dit aujourd'hui, donc il y a évidemment deux éléments qu'on a parlé. Donc si on synthétise et on essaye de se dire à quoi ressemblerait du coup un futur post-extraction. Est-ce que celui-ci peut exister? Est-ce que c'est juste un rêve? Et comment se combinent la sobriété et la stationnarité dans ce monde post-extractif ou post-minier? Enfin, je ne sais pas comment tu l'appelles toi ou si tu as un adjectif préféré. Alors, j'espère qu'il peut exister parce que comme les métaux, à un moment, enfin les gisements, à un moment vont s'épuiser. Donc ça voudrait dire que, voilà, on s'éteint au moment où il n'y en a plus si ça ne peut pas exister. Donc oui, moi j'espère que ça peut, que c'est possible. Ensuite, c'est le fait de le planifier. Pour moi, ça permet aussi que justement la transition soit plus douce. Parce qu'on voilà, on est toujours vus comme des oiseaux de mauvaise augure, mais l'objectif, c'est justement de pouvoir maintenir un niveau de confort le plus élevé possible et pendant le plus longtemps possible. C'est plutôt d'arriver et de se dire, bon, bah, il n'y en a plus, paf, tout d'un coup, rupture, et là, c'est très violent. Et on s'en rend bien compte parce que c'est la même chose, en fait, pour le climat, pour le coup, là, c'est le même raisonnement. C'est que plus on arrive tard, plus c'est dur. En fait, de faire la transition. Et ensuite, à quoi ça ressemblerait? Eh ben, ça ressemblerait à un monde où on a du coup réduit tous les usages des métaux et où on peut faire que de la réutilisation, que du recyclage, où on a substitué un certain nombre de services vers l'usage des renouvelables autant qu'on le peut. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans le bâtiment, plus d'usage de bois, plus d'usage de la terre. Voilà. En plus du recyclage, il y a aussi le fait d'utiliser quand même en majorité des matériaux qui, eux, sont renouvelables. Évidemment, ce genre de substitution ne se fait jamais sans perte en partie de service. Hein. Si on a utilisé du béton et de l'acier massivement, c'est parce que c'est quand même bien pratique, on est d'accord. Mais de décrire après en détail, c'est vraiment difficile parce qu'il y a tellement de choses en fait à inventer pour justement pouvoir diminuer la consommation que par exemple le seul sur lequel on a pour l'instant une vision un peu avancée, c'est le lithium du coup avec pour le coup la description que j'ai faite en termes de qu'est-ce que ça veut dire pour le transport, de plus partager les transports, de parcourir aussi moins de distance. Donc voilà, donc ça veut aussi dire réenchanter des futurs désirables où quand même on se déplace moins. Donc là, on ouvre des questions de société sur lesquelles nous, on n'apportera pas de réponse. Il y a aussi un narratif aussi à faire là-dessus qui est comment... Par quoi on pallie ça? Est-ce qu'on a plus de temps libre pour faire plus de choses qui nous réjouissent en local, etc. Donc ça rejoint quand même beaucoup de réflexions qu'on n'a pas ailleurs, mais sur lequel malheureusement, nous, on n'apportera pas de réponse. C'est aussi un monde, je pense, plus équitable, parce qu'il va falloir qu'on répartisse les stocks de métaux, parce que sinon, il va y avoir des tensions. Bon, déjà, parce que c'est souhaitable, en fait, pour moi, de vivre dans un monde équitable. Et puis parce que sinon, on fait face à des grosses inégalités qui vont générer aussi des tensions. Qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, on commence à avoir des réflexions aussi sur les réseaux électriques. Parce que le cuivre va être amené à... Enfin, le cuivre est un des métaux qui est déjà très sujet à la déplétion, qui a déjà une teneur très faible. On parlait tout à l'heure de limite élevée, je n'ai pas encore expliqué comment je pensais peut-être faire ça, mais en tout cas, le cuivre, je pense que si on se disait à partir de telle teneur, ça devient absurde en fait de continuer à exploiter, parce qu'on a trop d'impacts environnementaux, peut-être qu'on est déjà en dessous en fait, peut-être qu'on a déjà dépassé cette limite. Sur l'or par exemple, c'est sûr qu'on l'a dépassé. Donc par exemple, ce que j'allais dire pour les réseaux électriques, on se pose la question de substituer en partie par l'aluminium, parce qu'on va commencer à manquer de cuivre. Donc ça, c'est les modélisateurs à Négawatt notamment qui ont déjà commencé à faire ce genre d'hypothèse, à voir environnementalement si c'est vraiment souhaitable. Donc moi, je vais aussi travailler là-dessus pour voir si... est-ce une bonne idée? Mais en même temps, si on ne fait pas ça, comment on va faire pour développer les réseaux électriques dans les prochaines années? Voilà. Donc c'est quand même un monde aussi où on priorise beaucoup les usages. C'est sûrement un monde dans lequel on consomme moins d'électronique, on ne va pas se mentir. Ça, c'est peut-être une réponse que j'ai déjà avant d'avoir commencé. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de produits à usage unique, dans lequel il y a des métaux. Ça, c'est pas possible, en fait. Donc, il y a déjà des organisations qui ont poussé en ce sens-là dans des lois précédentes, notamment sur les batteries, en disant « c'est pas possible de mettre sur le marché des produits qui sont à usage unique, qui contiennent du lithium, alors qu'on n'arrête pas de dire partout que c'est stratégique ». Malheureusement, c'est pas passé. Voilà, parce que l'industrie a dit que c'était pas des produits à usage unique, c'était des produits où on les utilisait 2-3 fois. Donc ça allait. Donc voilà, c'est quand même un monde dans lequel les usages des métaux sont comptés. Et donc, on fait particulièrement attention, que ce soit avant de les concevoir, au moment de les consommer, au moment de les jeter, de faire ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais du coup, c'est des très grandes lignes, parce que les études, elles sont encore à venir sur ces 8 filières, et on pourra détailler un peu les solutions qu'on propose dans 4 ans, quand on aura fini les 8 filières, où, en fait, on sortira un rapport sur chaque filière tous les 6 mois. Avec à chaque fois des propositions pour faire de la sobriété, pour réduire la consommation de chacun de ces métaux. Bon, on va essayer d'avoir trouvé une solution d'ici 4 ans quand même, mais d'ici là, est-ce que tu as parlé aussi de narratif, tu as parlé aussi de tous ces aspects-là? Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une BD ou quelque chose qui toi, t'inspire vachement, ou qui te fait... réfléchir à ces enjeux, et tu te dis « Ah, mais tiens, ça me parle. » Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as lu dernièrement, que quelqu'un t'a proposé, que tu as vu, qui te paraît utile à partager? Je dirais... alors, il y a les livres de Bihouix, qui aussi, je sais, est passé par là, et notamment de Benoît Bihouix. Moi, je l'avais lu... quel futur pour les métaux et l'âge des low-tech après, mais quel futur pour les métaux, ça m'avait aussi donné envie de faire ma thèse là-dessus. Et je dirais... Et alors, une pièce de théâtre. Ah ouais. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Sodium, qui a été faite par une compagnie française, et qui pour moi, parle de tous ces enjeux de l'extraction, et parle aussi beaucoup d'engagement, et comment on produit des futurs désirables dans un monde contraint, et qui est super. Elle est toujours dispo, on peut aller la voir. Eh bien, alors, je ne sais pas à quelle date elle va être rejouée, mais je pourrais te le dire, et peut-être le mettre en commentaire. Ouais, cool. Bon, bah merci beaucoup, Judith. Je pense que voilà, ces discussions sont évidentes, enfin, elles se convergent avec plein d'autres conversations que j'ai pu avoir. Je pense notamment à celle avec, tu en as parlé, Philippe Bihouix, mais aussi j'avais parlé avec Baptiste Andrieux sur la modélisation énergie, et Olivier Vidal aussi sur énergie matériaux, Emmanuel H aussi sur la géopolitique, on a touché un tout petit peu. Donc voilà, merci de me ramener quelques pièces pour mieux comprendre ce puzzle compliqué. Et puis je vous dis à toutes et à tous dans 2 semaines pour une autre conversation. Voilà, merci. Merci à toi.